souhaite la bienvenue au siège uni ce jour. Vous avez prouvé que vous êtes des militants convaincus. Vous avez accouru vers le siège lorsque le mot d'ordre a été lancé. Ça veut dire que nous sommes prêts. Parce que même le président du parti de là où il est, il sera rassuré parce que ses militants sont prêts pour la victoire. Et écoutez le secrétaire exécutif, monsieur Achole Aklesa, que je vous demande d'applaudir. Ici, dans les bureaux, on m'a dit que il y a une foule de militants qui sont arrivés de façon spontanée pour me demander de transmettre leur soutien et leur engagement sans faille aux côtés de notre champion, le président de la République. Je précise que c'est une manifestation spontanée parce que nous-mêmes, nous ne savions pas que vous arriviez ici. Et alors, je ne suis pas surpris, j'ai compris qu'à travers cette manifestation de placement, vous avez juste voulu nous dire qu'au Parti Uni, nous sommes prêts. Nous sommes prêts pour le 20 avril. Cela nous réconforte et ça nous rassure. Soyez sûrs, nous allons transmettre à notre champion cette manifestation spontanée, ce soutien que vous avez exprimé à son égard et à l'égard de notre grand parti. Je voudrais donc, au nom de notre champion et au nom de notre grand parti, vous dire que à l'instar de vous à Lomé, c'est comme ça que l'ensemble des militants sur le territoire national sont prêts. Et vous invitez au nom du président de notre grand parti à garder ce calme, cette sérénité et à faire en sorte que ces élections se passent dans le calme. Vous savez que l'autre nom de notre champion, c'est la paix. Son autre nom, c'est la sécurité. Et il nous a toujours dit que la violence est le refuge des faibles. C'est le refuge de ceux qui ont peur. Mais nous, à Unir, nous disons que nous sommes un grand parti et que nous sommes prêts à affronter nos adversaires que nous respectons d'ailleurs dans le calme et dans les urnes. Je vous demande de rester serein et faire en sorte que nous attendions l'ouverture officielle de la campagne. Et cette ouverture qui va avoir lieu le 4 avril, nous vous attendons pour une grande manifestation aussi bien nommée qu'à l'intérieur du pays. Pour l'instant, je crois que vous avez juste voulu montrer que, à Unir, nous sommes prêts.